Yo tout le monde, comment ça va? Bon, alors là c'est le stream nocturne, hein, parce qu'on commence tard, mais ça va durer toute la nuit. On va aller rejoindre Toskiller là, on va aller le chercher. Je suis avec Reptug, il est là. On a procrastiné la journée, c'était cool. Et on va aller manger, attention. On va aller manger et ensuite on va aller comme prévu à... On va faire un soir à Monaco. Ensuite, le soir on va rentrer et on va essayer de se balader en Gyrotug nocturne. Donc ça c'est le programme d'aujourd'hui. Tug Life. Cool. Est-ce que vous êtes prêts à ce qui va se passer ce soir? Ah oui, là il y a le Tour de France. Ça fait deux jours le Tour de France. Ouais, en plus aujourd'hui laisse tomber. Oh, le bouchon. Ouais mais tu sais quand là le Tour de France a tout bloqué. Hein. Vendredi soir, waouh. C'est tout. Voilà. Ah là. T'as vu, je t'ai vu. J'étais en train de vous espionner. Salut frère. Salut, ça va et toi? Salam les frères du chat. De Twitch. Alors quoi de neuf? Ah très beau. Ça va, t'as pas trop mal? Parce qu'hier on a marché, hier t'as marché hier. Ouais, on a bien putain. Ah ben, tu vois, je t'ai dit non, j'ai pas trop mal. Ça va, bro, ça se passe comment là? Et ton masque, il est où? Il est dans ma poche. Tu veux le mettre? Cache et Willow qui lâche le masque. Oh, la vue là, elle est barre. C'est normal, c'est un 100 chevaux celui-là. Non, mais je parle pas du camion lui-même, je parle de la montée. À la montée, il galère. Même les. Comment ça s'appelle? Même les quoi, mec, ils roulent à 70 km/h. Ouais, non, mais là, en plus, c'est un 100 chevaux, tu vois, 100 chevaux. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? On voudrait ça, là. Franchement, tu sais quoi, franchement, je compte les machines un truc comme ça aussi. T'es sérieux? Moi j'aimerais bien avoir mettre ça. Des panneaux solaires, mettre une putain d'antenne cassée sur le toit. Exactement. Et tu fais que des voyages. Tag aventure partout avec après, ça. Après le seul problème frérot c'est qu'il faut que t'aies l'endroit où le garer. Oui, ça va se tuer. Non mais attends pour toi. Moi à Nice je suis désolé mais je peux pas le garer. Ah, il faut un garage. Il faut un garage ou alors il faut que j'aille dans un garage spécialisé pour qu'il me garde le camion et que j'aille. Quand je veux prendre le camion, que je dépose la voiture là-bas, je récupère le camion et je commence à bouger. Moi, voilà, Adem, j'aimerais trop un camping-car comme ça, là, Tug Aventure, mais au fin fond du monde, partout. Comment ça là? Et ta ceinture, oh, c'est violent. Je l'ai mis, ma ceinture. Voilà, ça c'est qu'un blague. Purée. Mais d'entrée là, cache. Tu vois l'hélicoptère là-bas? Là, il t'engraine direct. Ah, ici, ça pue le flic. Hein. Le flic. Et le flic aussi, accessoirement. Mais je suis sûr et certain, on va les voir. On va les voir. Là. Ils se mettent toujours ici et ils captent les gars qui se mettent à frapper. Ah ouais, c'est l'élite. C'est pas l'élite, mais c'est que, en fait, Monaco s'occupe très bien des monégasques. S'occupe extrêmement bien. Mais c'est normal, ils doivent payer une taxe d'habitation, une taxe foncière. Ils payent rien du tout. Ah ouais? Ils payent rien du tout. C'est où qu'ils payent à un moment? À un moment, il faut bien payer, non? Non, ils payent. Ah oui, c'est paradis fiscal. Tu t'imagines pas le nombre d'avantages que les monégasques qu'ils ont? Déjà, tu vois le taux de. Enfin, les gens âgés doivent être nombreux aussi. Le taux de gens âgés là, il doit être élevé de ouf. Après, il y a les petits jeunes, là, fils à papa. L'endroit où tu veux aller, et après tu sors, tu tombes sur Monaco. Alors ici, c'est la zone un peu industrielle,
C'est là où je bosse avant. Putain, mais pourquoi on descend là? On descend où là? Ah ah! Sous-sol. On va se perdre. Sous la mer. On va se perdre. Mais là, forcément sous la mer là. On est... Non, on n'est pas en dessous. Ah, j'ai l'impression que c'est là où on va rentrer dans un vortex. Merde. Ah, je sens le vortex là. Mon grillé. Oh, voilà, direct. Clim, tu prends à droite, s'il te plaît. Direct, ouais. Ça attaque. Direct, Columbus, Marriott. Et là, 4 étoiles. Ami, là, mon ami, t'as les hôtels et tu as le port de Monaco. Ouh, les palmiers. Oh là là, on dirait une ville cachée, t'as vu? Ouais, ça, tu vois, sur le côté. Voyage de Chiro. C'est le stade Prince Rainier. Ah ouais, il y a un joueur de football. Hein. C'est le stade de Monaco. Marriott, 4 étoiles, l'hôtel. Reste sur la route, le col de toi. Twerlik. Reste sur la route. C'est grave, moi, c'est pas. Allez, c'est taxi, ça. Twerlik, il a dit. Reste sur la route, tu veux. Écrasé. C'est où là? À gauche. Oh, mais tu sais quoi? Si j'avais mon badge. Non. Si j'avais mon badge du travail, on aurait pu rentrer. Rentrer sur le port. Giroroux. Giroroux là. Oui, un Giroroux, mais là, en voiture, tu peux pas rentrer. À gauche. Ah, il faut le Giroroux quand même. Si on se gare. Si on se gare, effectivement, on pourra rentrer. Non, mais continue. Et là. On peut te garer à Monaco, mon frère. Aïe. Ah ouais? Aïe. Sérieux? Ah là là. Eh, hey, Giroroux, obligatoire. Cherche. Franchement, là, c'est cher dans le sens où il n'y en a pas. Sinon, t'as les parkings. Il faut qu'on revienne en Girotug. Un chemin. De Vito d'abord. Ouais, vas-y. Il y a une place en plus. Ah, je sais même pas si tu peux rentrer. Ah, c'est les navettes de l'héliport. Ah ouais, non, tu peux pas, Karim. Vas-y, garde-toi, on s'en fout. Bah, garde-toi. C'est un héliport. Je t'ai dit, tu vas en prendre plein. Ouais, il est en train de regarder le type là-bas. Ouais, mais on s'en fout. Vas-y, garde-toi, essaye de te garer. De toute façon, on est là, frérot. S'ils nous demandent, on leur dit, voilà, on est des touristes, on prend des photos. Vas-y. Ouais, mets-toi là. Je pense pas que tu vas gêner grand monde. Ah, il arrive, le gars. Il arrive. Je l'ai vu, une question. On va faire les hélicoptères. 5 très bonnes minutes. Si vous voulez, on chronomètre. Non, 10 minutes comme ça au moins. N'abuse pas la gentille du monsieur. Alors, déjà qu'il est gentil, nous laisse passer. Ouais, c'est bon. C'est d'accord. Vrai, c'est mieux de prendre une photo. Allez, ah, merci. Merci beaucoup, merci. Monsieur. Je vais prendre mon téléphone. Vas-y, Zico. Ah là là. Ben ça, en fait, quand ils arrivent à Nice, ils prennent l'avion. Les hélicoptères, ils arrivent ici directement. Ils passent pas par la route comme toi et moi. D'accord. Tu vois, ils prennent l'hélicoptère, ça les amène cacher à Monaco. C'est le train, quoi. Voilà, c'est le train des riches. Tiens, il y a un yacht juste là. Pouah, j'ai le vertige, là. Ah ouais, c'est beau. Ouais. J'aurais dû laisser mes affaires dans le camion. Quelles affaires? Mais ce que j'ai dans les poches. Bon, t'as quoi dans les poches? Des conneries, mon téléphone, mon... T'as Karim, il a un sac, donc... Waouh. Respirez, les gars. Mais putain, mais... Wesh. Ouais. Waouh, c'est impressionnant. On va aller faire un tour dedans, on va... Je t'ai dit, faut pas abuser, t'as vu le mec là. Non, mais on s'est rien trop pas, on va regarder. Parce que t'as vu le poste de police, frère, il appelle la dépanneuse, il te l'amène direct. Ah ouais, c'est bien. Non, mais on dirait qu'on est dans un bateau. C'est pas tard. On dirait qu'on est dans un bateau. Ouais, c'est juste pour passer les mains. Alors, tu vois, t'as vu toutes les lumières blanches tout au fond là-bas? Les lumières jaunes? Ouais. Ça, c'est la coque de mon pont. C'est voilà, on dirait qu'on est dans un bateau. Ça y est, ça fait déjà 5 minutes, je crois. Ouais, ça fait 1 minute 20. Ah, la vie est belle. Le dessin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père soulève le voile. Le type sent les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. C'est tellement fatal. Aladdin, le truc qui s'appelle. Aladdin, on va. En plus, avec la police, c'est Aladdin. Allez, c'est qui? Tu vois, c'est qui? Ah oui, la police, oui. On va aller voir les suites, un truc. Regarde le rocher. C'est ça, le rocher. Ah ouais? En fait,
jamais ça coûte un bateau comme ça. Là, ça sent bon la bouffe. Je peux, tu peux rien faire, spectateur du désespoir. Oh my gosh. Les gars, c'est pour ça, hier je disais, la Corse, c'est bien, tu t'y vas pour une semaine. En fait, c'est ça. Tu descends dans la ville, dans une ville comme ça, tu restes une semaine, tu kiffes, tu regardes le paysage, tu te fais des petits restos comme ça, tu prends des photos. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est du béton, hein. Mais c'est du béton beau, du beau béton. C'est des trucs sympas. C'est fou, quand même. T'as un bateau comme ça, quand même, c'est... C'est pas toi plusieurs millions, ça. Crêpe, moi j'ai dit. Ah, ici c'est Giro. Vous savez quoi, les gars? Et regarde, tu fais tout Monaco. Demain matin, levez-vous tôt. Calez à comment ça s'appelle, à Riquier, avec le camion. Vous prenez vos Giro et vous les laissez. À la gare, tu veux dire? Voilà, tu laisses le camion à la gare. Ah, on fait ça demain matin? Tu vas, tu fais un tour de partout. Ah merde, il faut que je... Attends, je... Regarder, là. Il faut que je mette... Je fasse une photo Insta. J'ai oublié. Non, je regardais les chiens. Le chien, il m'a hâte, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous, là? Voilà, le chien, voilà, il m'a hâte. Oh, t'as ce qu'il a? T'as vu les deux kelbs, là? Les trois quelbes là. Il y en a, le dernier il m'arrête comme ça, il m'arrête. Moi je sais pas, je le regarde, il m'arrête. Il me dit, qu'est-ce que tu fous là? Voilà, on dirait que le chien, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Ça, lui, il est à moyen qu'il est là. Mais moi non. Jago. C'est fou ça. Ah, Jago, viens. Oui. Ah, le jeune là-bas, le château? Ah, c'est ça le rocher. D'accord. C'est Alcatraz. Voilà la voiture. Bon, viens, on prend le camion avant qu'il nous... Ouais.